vraiment enrichissant. D'être entourée de plein de chrétiens. Ça m'a sorti de ma zone de confort et aussi les nouvelles amitiés que j'ai pu faire ici. J'ai réalisé plus que la prière elle a un impact. Je me sens entourée de Dieu. Hilarante. Drummer. C'est une femme mariée. Ventilateur. En retard. Pétillante. Ronfleuse. Je peux dire un autre mot. Enchiladas. C'est des enchiladas. C'est super exotique. Enchiladas. Non, c'est bon. Enchiladas. Les burgers. Les chili. Subway gratiné. Le gâteau au chocolat. Les brownies de Marie-Belle. L'évangélisation. L'évangile de Jean. Survol. Marche à travers l'Ancien Testament. Un Corinthien. Survol, définitivement. Au ministère pratique, c'est l'armée de salut. Et on y va une fois par semaine, puis dans le fond, on sert de la nourriture aux personnes. Ça va aider beaucoup mon côté à évangéliser, puis parce qu'après de leur avoir servi la nourriture, on va s'asseoir avec eux, puis on va leur parler. Puis jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça, puis c'était vraiment utile. Mon ministère pratique, c'est la jeunesse. Puis ce que j'aime vraiment à la jeunesse, c'est animer les jeux pour les jeunes, puis avoir une discussion profonde avec durant les petits groupes après le message. C'est vraiment le fun. Bonjour tout le monde, cette année on aurait vraiment besoin de vos prières pour les Folies Lunaires. C'est vraiment un gros événement rassembleur de jeunes. L'année passée on avait plus de 800 jeunes qui se sont rassemblés à l'université de McGill. L'évangile a été présenté. Priez pour nous, priez pour que l'évangile touche beaucoup de cœurs pour que des vies soient transformées avec nous. Salut les enfants, nous on aimerait ça que vous priez pour nos carnages qui s'en viennent cet hiver. On a besoin que vous priez pour les prédicateurs, pour les activités, que tout se passe bien, puis qu'on puisse bien accueillir tous ces jeunes-là qui vont entendre l'évangile. Salut.